Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous dans le SAS sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Qui gens pour nous comprendre et cérémonie qui t'est faite pour Caïman, qui ça dit, qui ça pas dit, qui valeur qui t'est charrié dans le moment cérémonie ça t'a fait. Je dis, est-ce que nous sommes capables d'inspirer de coquin chaîne rassemblement ça? Solidarité que t'es gagné dans le temps pour nous arriver à faire développement pays ça finalement. C'est entre autres points pour le mitin échange du matin hein, avec une personnalité bien indiquée. Professeur Wessner Emmanuel, c'est invité, nous la mise au point jeudi. Hein. Professeur Emmanuel, son plaisir pour nous recevoir sur TNH Pater. Plaisir ou pas, Octave Sergio, son rendez-vous va bah, me manquer pour tous les grands événements qui marquaient l'histoire pays noir. Mais cependant, ça fait des années, passé ou repassé, nous toujours là. Parce que nous avons espoir que l'événement ça est porteur de leçons qui sont profitables à la génération de là, ces générations qui sont passées. Peut-être que n'ont pas réalisé ça de faire pour pays. Génération qu'on y a, la jeunesse, ouais. Donc nous avons semé, nous obligés de faire répondre à des voix avec l'espoir que. Peut-être longtemps que nous pas attendons, la moisson viendra en tenant compte des leçons, n'est-ce pas, laissées par ces événements. Bon, c'est dommage que nous prenions plus le temps pour arriver dans la moisson, hein, au cerf. On est loin de, on est loin de la moisson. C'était malgré toute bataille qui fait, hein, nous l'a toujours. Nous l'a toujours. Et donc, quand ça a passé, qui côté la privée. Non, moi-même personnellement, compte tenu de l'itinéraire, mon site de bagaille, moi, m'a dit que j'ai connu la campagne anti-superstitieuse sur l'ISCO. J'étais 6 ans, 7 ans. Même vivre, je me connais. D'autant qu'à l'âge de 7 ans, j'étais enfant de cœur, Monseigneur Robert, qui lui-même est à la pointe de cette campagne anti-superstitieuse. Ouais. Et m'a vécu en situation très complexe. Parce que dans le voisinage, moi, ouais, dans le milieu religieux, l'école, il a fait me chanter, non, non, nous renoncer à tout le bagage, ça, à tout bagage, c'est Satan, c'est bagage comme ça, il a fait chanter ça. Et pourtant, mon voisinage, vous naïf, c'est la famille papaye, c'est une papaye qui a signé l'acte de l'indépendance. C'est un monde qui a une tradition, mais en même temps, il est lié à la souvenance. Et la caillotte est un rogatoire, etc. Donc, un petit monde qu'on a pris une feuille pour eux, on a utilisé mon pile pour être actif, et puis, on a regardé, c'est deux valeurs, quelqu'un a pris une contre l'autre, on a cherché à écraser l'autre, et moi-même, même petit monde, dès qu'on a posé tête des questions. Donc, pas un monde qui vient avec des préjugés, vaudo, antivo, etc. Moi, je vis le phénomène, je vois comment tout un série de bagages étaient passées. Moi, toute lutte qui menait contre, n'est-ce pas, le vaudou, par exemple, à travers cette campagne anti-superstitieuse, et moi-même, conclusion pas moi, son lutte contre c'est une politique d'exclusion de ceux-là même qui nous ont donné cette indépendance. Parfait. Nous allons rentrer plus loin dans la question ça, mais en nous retournant sur le 14 1791, qu'est-ce que nous avons retenu de la cérémonie Bois Caïman, professeur Emmanuel? Mon cher, alors moi-même, dans le titre là, ouais, non, Manuel Classico dit la cérémonie du Bois Caïman. Immédiatement, dans tête porte, ça fait référence à une initiative de religieuse. Tandis que je pense qu'il y a deux aspects pour nous souligner. Il y a eu le congrès, on rencontre un rassemblement hautement politique. Nous avons une politique posée. Il s'agit de noirs esclaves, leaders, dans une zone, sur son habitation, sur à travers la colonie. Ils ont gagné des moyens de communication. Et puis, c'est réunis, au point que souvent des historiens parlent de la réunion des 21 nations. Donc, on est, depuis toute nos zones d'Afrique, il dit nation, il a dit ça son nation, mounsa. Même dans le créole, nous on dit nation, mounsa, etc., etc. Donc, il y a environ 21 groupes qui étaient représentés. Ça, c'est un aspect. Or, en Ouest, comment l'esclavage n'a jamais été accepté. Depuis 1503, si je ne me trompe pas,
arrivé premier groupe, yo, yo te, la plupart d'entre eux, sous l'habitation de Don Diego Colón, ils ont pris mon monde pour eux. Ils ont rejoint le Cassis Henry. Okay. Ils ont rejoint le Cassis Henry, donc ils n'ont pas accepté l'esclavage. Mais cependant, et pendant toute cette période-là, jusqu'à 91, on rejoint des groupes d'esclaves, Cap Gourmet, etc. Mais qui base le Cap Gourmet sur Cuba? Sur une base tribale. Ouais. De pour parler même dialecte, même langue à un aigle, c'est normal, c'est humain. Donc immédiatement, nous reconnaissons, nous parlons, nous faisons groupe, nous complotons ensemble. Il y a la communication est possible. Donc c'est sur une base tribale, par un petit groupe, chaque monde. Donc il n'y avait pas encore ce rassemblement unitaire devant conduire, n'est-ce pas, à Vertière, à l'Arcaïa, etc. Donc, premier point, on a parlé de le congrès historique du Bois Caïman, en réunion hautement politique pour poser un problème concret, le problème, n'est-ce pas, de l'esclavage, la lutte pour la liberté. C'est la première étape, avec toute difficulté, toute limitation, tout le bazar, mais il y a eu cette rencontre et cette décision qui est prise, voyez, de se mettre ensemble. Donc c'est la première leçon à tirer, l'unité. Avant, c'était, n'est-ce pas, des combats isolés dans des zones différentes, naturellement. Donc on est comme Santiago. Santiago tellement, c'est un marron, mais tellement bas de problèmes, que les deux plus grands rois de l'Europe de l'époque, Charles Quint et François Ier de France, Charles Quint d'Espagne, ils ont voulu négocier avec Santiago. Ils ont reconnu, Santiago n'a pas vraiment de l'indépendance, nous avons un niveau ça, mais ils ont reconnu Santiago et son groupe comme des libres, et même ils ont Balongrad, il est chef de la marée-chaussée. Ouais. Donc, mais quand même, son étape, Cap Kembe, là, justement, ce besoin de liberté, cette lutte pour la dignité. La révolte, n'est-ce pas, pas de doute dans ça, rend à l'homme sa dignité. Donc, mais étape ça. Mais qu'on y a, les nourrivés, la révolution en France, il y a eu le mouvement des idées, tout le monde a parlé, les colons, etc., tout le bouleversement ça. Les hommes des ateliers sont sensibles à ces propos de liberté. Or, c'est eux-mêmes qui partent libres. Si on parlait de liberté pour eux, Colomb a parlé de liberté commerciale, de liberté, etc. L'autre l'a parlé à force, il a parlé d'égalité. Mais si on est esclave, c'est l'être esclave. Donc, mouvement était mouvement parle. Au point que Blanc fait mouvement, là, le bas-coute-mai. N'oubliez pas. À France, il a fait mouvement, le bas-coute-mai. Pas oublier l'affaire des Suisses. L'affaire, il y a un massacre. Yo. Oh, ouais, même ça qui intéresse maintenant en question, ça. Conseil de Akap posé. Capable de traverser l'histoire jusqu'à nos jours. Alors, disons, rassemblement politique, hautement politique mais, d'abord. C'est ça. Mais il y a des historiens historien qui parlent d'un rassemblement religieux. Non, mais qu'on y attendez. Musulmans, yo, lorsque tu prends par exemple l'Iran, les Tégués Chadirs, c'est sur la base de la religion que tout mouvement contre le roi, le Chadiran, t'as mené. Il y a des gens qui t'ont mené dans la France, t'es en exil, mais sur l'affaire, le gros rassemblement, il a fait message passé, et puis le peuple a placé. Donc, c'est normal. Donc, quand il y a nous parlons de bonnes décisions, nous parlons dans la guerre, nous parlons de gourmet, il faut jouer une protection, il y a une foi, il y a une conviction, il y a une référence. Donc, on va aller dans la deuxième étape, là, qu'on est, la phase religieuse. Mais il y a eu. Au départ, un débat politique, la lutte pour la liberté, et maintenant, on va passer dans la phase religieuse là. Beaucoup de monde pour l'entrer en scène, au moins l'autre là, d'amenant pour l'entrer en scène, tout le bail ça, le sacrifice qui est fait, tout et tout. Est-ce que vous dit, monsieur Emmanuel, son rassemblement d'esclaves marrons à caractère politique, mais qui épousait une certaine forme de manifestation religieuse. Est-ce que vous avez dit comme ça? Oui, on doit dire ça. Alors, faut, nous ne parlons pas pour nous dire rôle vaudois secondaire, non. Son rôle particulièrement important. Mais dans la tendance, pas nous. Même quand on a commémoré, ou après tout, ma plongée, caïman, il y a fait cérémonie, il y a foncé de bagailles. Mais ce n'est pas ça pour nous retenir. La leçon à retenir, c'est la leçon de l'unité. Hein? On se met ensemble pour un idéal. Pour un objectif, la liberté, on doit se mettre ensemble.
c'était des combats, n'est-ce pas, par petits groupes, sur une base tribale. C'est la base même de la nation, de la nation qui va être jetée, qui va être mise en place. Hein? On vient de toutes parts, etc. Naturellement, une série de bagailles qui faciliter tout le bagage. Lorsqu'on a la révolution de la canne, grande habitation, rock, etc., on parle d'une unité linguistique, le créole. Hein? Et puis maintenant, sur la base de l'exploitation, de l'oppression, on a besoin, on souffle, on souffle. Après, la nuit, l'elfait noir, jeter, il va faire une cérémonie vaudouli. Donc, il y a deux éléments, ça, comme des éléments, n'est-ce pas, pour cimenter les noirs entre eux, hein, leur unité, leur solidarité, sur la base d'une lutte pour la liberté. Alors, le créole, le vaudou, ensuite, mais comment par étapes, on peut arriver là, dans une grande réunion, cette fête-là, avec comme objectif la liberté, et maintenant, leurs convictions religieuses. Hein, sous protestants, on peut les bibous, catholiques, on peut les chapelots, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là, mais au cours de la lutte, on peut aller ça a été pensé à ça. On a vu des nègres se précipiter sur des pièces de canon. Ouais, le fanatisme religieux. Pour dire, il dit l'autre jour, nous mettons venir, on ne va pas gagner nous-mêmes. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de petit morceau. Est-ce que la religion, en cas ça, les galvaniser l'effervescence révolutionnaire là? Ouais, non, pas de doute dans ça. Les gens ont une conviction, les gens ont sous l'île à la protéger, d'après la fonte est dangereuse. Ils n'ont pas peur de danger, ils ont marché sur vous. Est-ce que vous voyez moi? Donc, ou bien dit, n'est-ce pas, ça peut justement galvaniser les gens. Pour ces négos, n'est-ce pas, ça, sont éléments importants. Mais en même temps, ils se rendent compte que même les organes il y a maintenant une façon de se battre. Il y a le métier du soldat. Ça, ce sera le rôle que va jouer Toussaint Louverture. Hein? Après, toute pirouette, Toussaint, le rapport des forces ne lui étant pas favorable. Après, il s'est marché à France, c'est forcément pas d'accord. Là, je viens d'Espagnol. Espagnol Balzam, Espagnol montre le gourmet. Là, je dis prenons en anglais, il retourne avec la France, et puis il monte, il peut monter le savonnage là, qu'après le mener nous jusqu'à l'indépendance. Donc, la grande leçon à tirer, oui, le vaudou a joué son rôle. D'ailleurs, c'est une grande richesse qui a quitté pour nous, et c'est ça qui explique la situation actuelle là. Et c'est des bandades nous là. Nous renier, nous abandonner, n'est-ce pas, la base même de notre existence. Hein? Nous avons développé le mépris du créole. Le mépris, n'est-ce pas, vaudou, j'ai vécu la campagne anti-superstitieuse. Moi, ça c'est une lutte contre la culture, c'est une lutte, n'est-ce pas, contre la paysannerie, c'est le phénomène de l'exclusion. Hein? Mais est-ce qu'à travers ces monuments, tout, comme il se dit, on te remet destination aux lois d'Afrique? Ah bon. Naturellement, attendez, nous n'en connaît, bon loi de la guerre, depuis loi avec lui, au moins, loi avec lui. Il y a besoin de loi pour frapper, etc. Du coup, dans ça. Mais dit que destiné pays, ce n'est pas dans le loi lié, c'est bien ça, vous ne pas même. Destiné pays à un monde. Destiné à pays à un monde, il n'y a pas dans le loi. Destiné, hein? Même les religions catholiques, là, aide-toi le ciel des droits. Et bien ça lié. C'est ça lié. En fait, si vous comprenez, c'est le premier grand soulèvement collectif qui est arrivé à faire contre l'esclavage. C'est l'aspect essentiel. L'aspect fondamental, son mouvement collectif, on se met ensemble, l'unité de commandement est réalisée. Hein? Ce n'est pas un groupe à droite à gauche, tout le monde ensemble, nous pouvons faire un poté bourré contre blanc, pour éliminer les blancs. Et naturellement, il y a eu des étapes. Hein? Nous parlons de Santiago, il faut parler de Macandal, par exemple, tu as un rêve pareil. Hein? Tu as un rêve pareil. Ensuite, pour venir. Pas de gens, tout, non? Oui, pas de gens, toute la grande lignée des marrons. Oui, Gomba qui était passé, nègre inférieur, nègre. Non, nègre, grand bon nègre, il était musulman, il y a une culture gagnante. Il y a eu, n'est-ce pas, les grandes unités étatiques de l'Afrique, les grands royaumes d'Afrique.
Donc, on tradition en Afrique, etc. Donc, là, après, Toussaint Louverture, c'est pas on consacre là par hasard, non. Les gens lignent, ils ont côté le sorti. Donc, depuis que les gens arrivent, au moins, que le femme, que le garçon, il y a une femme dans le bois carrément, ou pas une femme là, carrément, quand on passe pour une femme. Et la première étape, c'est la première leçon. Les gens ont base nation, la première leçon à tirer, c'est le se mettre ensemble pour une cause commune. Mettez-nous ensemble, n'a pas marché devant, on n'y a pas qu'à camper devant. Du petit Boukman, on ne va pas négliger, puisque c'est l'étape principale. Non, c'est l'élément fédérateur. Hein? Les gros avantages physiques, les gros avantages mystiques, en moins, sont initiés. Or, pas oublier. Bon, moi-même, bah, on est bah, capable de diminuer. Ouais, bah, ils pas capable de diminuer, mais pas le monde, non système de répression, l'obligé de replier sur lui-même et puis la vivre dans la clandestinité, la déployer, n'est-ce pas, des éléments de tous ordres pour assurer défense. Bon, par exemple, la franc-maçonnerie hein, qui a joué un rôle dans la Révolution française, hein, c'est un secte secrète, il y a un mot de passion, etc. Oh, c'était même bagaille pour esclaves. Hein? Moi-même, ma bon exemple. On a regardé bagaille qu'on l'aimait la menthe. Ouais, nous avons un péristyle tout près nous, car gentil. Ouais, gentil, une période de septembre jusqu'à novembre, comme ça. Il y a battu tambour. Mais nous avons un franc par là, monsieur. Monsieur dit, où est-ce que je battu tambour? Tu as le temps de me suspendre. Et vous pas le temps dans l'autre tambour qui répond. Puis loin dans la zone bisoton. Il dit, bon temps pour qu'il batte qu'on y a, au pape Tandel, même qu'on est la batte à Kaye. Il dit, il y a moyen de. Ouais, ce sont des éléments qu'ils ont développés pour d'autodéfense, pour communiquer entre eux et contre, n'est-ce pas, l'ennemi de classe. Alors, c'est mon effet sur l'habitation. Le Normand de Mézi, Bois Caïman. Bon, là, son déformation. Ouais, son déformation, au moins, Boukman musulman, c'est l'imam, est-ce qu'on voit le moins, Anal Caïman, non? Donc, avec le temps, elle a changé. Elle est entrée dans un petit livre classique, non, petit dans ses villes, non, frère de l'instruction chrétienne. On répète cela, mais il faut nous rétablir, au moins, c'est peut-être ça, il y a plus de temps, laisse ça, vous mettez en tête, peut-être son zone de marécage, son zone de côté guerre, puis le caïman. Non, c'est caïman, c'est le créole, caïman. Ok, on a une déformation. Une déformation. Du bois caïman. Du bois caïman. Mais c'est une déformation qui vient du bois caïman. Caïman qui vient du bois caïman. Parce que là, vous me parlez sur ce site la plaine du Nord, je vous dis que c'est bois caïman, que ça vous allez. Oui, exactement. Je dis, il répétait, et puis elle a passé. Mais avec deux générations en génération, sous pas rectifier. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une tendance pour prioriser l'aspect mystique. Donc, c'est loyaux, si nous pas fait ici. Non, c'est nous-mêmes. Parce que l'aspect, ça, son aspect, le grand aspect culturel là-dedans, son richesse au de nous. Créole, là, son richesse, au point de vue culturel. On va regarder, par exemple, peinture. Hein, là, parce que on met tout peintre qui est dans le domaine, ça, hein, à partir de ces cultures. C'est gros bagaille. Mais nous négligeons tout bagaille, ça. Nous avons une richesse, non, mais nous, mais nous pas contre valeur. Et puis, bon, en pile pays d'Afrique tombé dans le même problème ça avec nous, dans le même erreur ça, et ce point moi, il a abandonné, il a pris l'Occident, tout le monde a dit non, la science, tout le monde, non, la dedans le rationalisme, l'esprit cartésien, il faut toujours la donner, et ce point moi, mais, après, là, on prend l'Inde, on regarde les pratiques religieuses, on dit, mais on sait, et pourtant, sur le plan technologique, même les affaires, bah, bon, miniaturisation, c'est une spécialité. Vous savez, il faut grand pile technique, bah, ça, et pourtant, les longs leurs, ils ouais, suspendent, ils font des prières, ils disent, bah, c'est culture, c'est comme ça. Ouais. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas droit pour bah, ils ont fait nous comprendre. Je me rappelle que pour le bicentenaire du Bois Caïman, nous étions sénateurs.
et puis nous faisons passer une résolution au nom du Sénat de la République, faisant de Boukman un héros national et du site du Bois Caïman un patrimoine historique à protéger. Mais ce que j'ai eu comme problème avec les collègues protestants, toujours j'étais gagné là d'ailleurs, qui même capable évangéliser ou bien christianiser Bois Caïman. Tu as coupé pied bois, l'autre bois. Oui, tu sais fait ça. Mais non, mais la campagne anti-superstitieuse, il n'y a pas deux pieds bois, ils ont coupé. Tandis que, on peut qu'en Israël, par exemple, nos femmes ont mouru, ils ont planté un pied bois. Ils ont enterré les gens dans le pied bois. Donc, ils viennent tout le temps, ils ont lagué de l'eau dans le pied bois. Ils viennent parler à mon entourage, ils viennent parler à mon. Ou bien, ils ont dit, bon, ça, c'est un niveau de technologie. Non. Je comprends, ce sont des traditions. Ça, c'est un moto attache mon nom. Ils ont coupé le pied bois. Je suis un peu chargé avec le pied mapou. Ils ont coupé parce que ma pluie était servie. Mais au contraire, j'ai dit Abdiladeur. Alors que le pied bois là, pour le bord de l'eau, pour le conserver de l'eau, pour conserver de l'eau. Bon, là, le peuple, ça, elle n'a coupé pied bois. Mais ne faites pas accepter mon mouillé. Ne faites pas approprier de ça. Ça, c'est un plus gros crime qu'a fait, non. La campagne anti-superstitieuse. Le Monseigneur Mabdon Saint-Robert, les Alcaungan, on connaît, monsieur, des Indiens ont eu contact, donc Cassique Henry, les premiers Noirs révoltés, t'as l'aider Cassique Henry. Donc, pour ces deux bagages, Indiens ont eu gagné, il faut historique, ou t'es venu au Kaungan, dans le pays de Nègre, mon Seigneur apporte tout maintenant mal, il voyait en France. Et ton pillage tout le temps, c'est ça qui pourrait lancer le mouvement Jacobin, ou au moins, je des intellectuels qui protestaient contre ça. Au moins, mais phénomène, la base du problème, c'est le problème de l'exclusion de cette masse paysanne que nous mettons de côté, nous en dehors, nous en dehors, avec toute culture qui vient de mettre nous dans des gringolades nous hier. Est-ce que vous dites ça, vous avez été approprié de cérémonie 14-1791? Vous avez l'impression que chaque fois que ça arrive, vous dites ça? Oui, c'est bail par vous-même. Non, là, il n'y a aucun doute. Ça. C'est qu'il doit réclamer. D'ailleurs, tout le mouvement de révolte des esclaves, tout le mouvement de protestation, à chaque étape, il y a toujours, à part l'aspect physique, la gourmand, etc., mais il y a toujours un combat mystique. Tout. Ils sont gros nègres, c'est ici que l'autre bord, ça. Donc, ça, qu'un bémoun, notre bon côté là, son élément, n'est-ce pas, qui soudé ensemble, il y a la crainte, n'est-ce pas, son nègre qui est dépositaire, dont puissance, etc. Mais toute puissance, intelligence, où, comment on peut le défendre tête, où, comment face nègre ça, qui les âmes n'amènent, qui les âmes gagnent, jusqu'à la victoire finale. Oui, mais on a l'autre groupe religieux, en une fois, qui croit que ça. Non, qu'on y a, non, ça, c'est pas. L'autre groupe, bon, ouais, l'eau. Donc, mon problème, moi, songer que l'on religion tant que. Mais, je ne sais pas, méthodiste, non. Wesleyenne. Religion wesleyenne. Son crise sociale qui était en Angleterre. Ouvrièrement d'augmentation, bagaille. Wesley, John Wesley, c'est un grand orateur, n'est qu'à pécher quoi foule. Et puis, n'est qu'à une industrie, ça n'y a pas là, monsieur. Je dis, monsieur, comme foule là, sur vous. N'a bon comme, au moins, on va prendre ouvert cantine bouillot, on va prendre ici de l'autre bord, pour nous calmer. Donc, monsieur est un révolutionnaire, il est rentré dans la logique là, et puis il a formé la religion au Sénat. Parfois, il y a des gens qui sont dans la religion, pas même qu'on origine de religion, etc. Donc là, l'occupation américaine vient, au moins, il y a un bon noir américain pour tester. Vidéo sous, au moins, et puis qu'on y a besoin des blancs, tout, des noirs qui viennent, et vidéo sous. Et puis qu'on y a fort nié tête ou Boukman c'est diable, etc. Ou bien on est qui passe l'école, qui gomme, entre guillemets. Est-ce qu'on peut moi? Et pas comme ça, ou aborder des problèmes. Mais c'est pas enseignement, tout, enseignement histoire dans l'école qui fait que nous venons comprendre ni comme ça tout. Non, Jean-Oubaoul là. Est-ce qu'on peut moi? Ou on tendance pour que. Et pas Jean-Oubaoul là seulement, non. Enseignement l'histoire là, c'est Youn. Mais tout, l'école là même en général. Par exemple, j'ai frère le Concordat. Vous voyez, M. Botteau, Vincoto, Vini. C'est normal, il n'y a pas de mission.
Mais ils viennent pour montrer que maintenant qu'ils sont dans l'erreur, etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai même pas dit que religion, ça, en tant que telle, pour amener vers le progrès, etc. Mais au non niveau pour comprendre que mais un rôle était joué, mais ça pour même des citoyens, n'est la guerre religionnée, mais il y a l'avantage de la technologie. Est-ce que vous comprenez moins? Donc on se de bah faut n'être la con, il faut les citer, etc. Et puis là ça l'a découvert. Nous avons des richesses n'a perdu par exemple les vertus des plantes. Hein? Bah ça c'était dans c'est une religion là. Religion ça tellement près de la nature. C'est lui-même qui a perdu ou non bah ça. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez moins? Et donc nous comment bah nous perdu? Faut nous repenser question au moins de façon, n'est-ce pas, logique, rationnelle, pour nous même pas frapper d'anathème, Mounsayo, voilà, c'est diable, qui était Mounan, jusqu'à ce que, qu'on voit petit à l'école, après, attitude a changé, il y a comportement, ça n'a pas dit que, maman, dès qu'on fait tel bagage, ils font un geste tel genre, et pour moi, peut-être qu'on peut répéter, ou on ne doit pas répéter le tout. D'abord, pour me préparer l'émission, ça, et Horace Poléus Sano, et dans l'histoire de Toussaint l'ouverture de la cérémonie du Bois-Caïman, d'en garder quelques éléments, ou aider nous comprendre, Monsieur Emmanuel, esclavio qui a semblé, l'orage qui éclatait. La complicité de la nature. La pluie qui tombait, et puis qui est ça là, même il était comme ça, assistant immobilier, il saisit d'un terreur sacré, quand il secouait de frissons, il chantait, il introduit un cochon noir, et voilà, et puis. Oui. Comment vous comprenez l'événement ça? Non, je dis que. L'on prend monde qui libère sur les grands initiés à travers l'histoire, à travers l'histoire, pas dit depuis la préhistoire, mais depuis l'Antiquité, ouais, on a tout élément ça qui traversait pour arriver au christianisme, hein, et ceci à travers le monde, à travers la terre, sur toute la terre, où on a tout ça. Donc là, on est dans le nord. On est au mois d'août. Vous prenez moi, si là, bon, regardez, 18 novembre, hein, il pleuvait dans le nord, etc. Donc, les périodes. Alors, vous complicité de la nature une complicité. Une complicité de la nature. Donc, ça. Son hasard Bon, la pointe. Bah, la ville, on connaît que dans la période nous, hier, c'est période de mauvais temps, etc. C'est période de mauvais temps. Période l'aura baïsaïo, donc tout baïsaïo mêlé à ça à faire, sacrifice au fait, cochon, etc. Donc, on vit nous que réellement son complicité de la nature, comme ça pour nous prendre, comme ça pour nous prendre. Même s'il n'y a pas eu cette complicité de la nature, mais, comprenez-moi, cérémonie en elle-même, de part de. On est dans la société, il y a un groupe. Ce sont des initiés, il y a un groupe entre eux, il y a un débat de normes à respecter. Là, il y a la parole, il y a la parole. Moi, je suis donc je suis là, Thibonite. Et puis, je suis marchand de Salines, grand-même, c'est du côté de marchand de Salines, Pospier, toute zone, tout le temps, petit monde qu'on allait. Mais aussi, les grands-mêmes mènent un petit monde. Ils mettent un camp au côté. Je m'ai observé. Ils disent, pas qu'il y ait un monde, tête, pas faire ici, l'autre bord. Je m'ai observé. Et puis, mais les plus grands, quand nous arrivons au côté, on joue trois roches, trois gros roches campongeants. Et puis, on joue mal pour roches, détacher lui pour me citer tellement. Et puis, quand l'autre qui est mis en il dit, mais non, pas déranger roches. Je dis, pour ça, qui rapporte de là pour ne pas déranger. Il dit, non, son société, son rendez-vous de bail là, son signe qui met à terre, ou il met un signe à terre, tout le monde qui a marché ce jour-là, qui a passé, et qui initie, yo connaît là, vous rendez-vous pas le fait tel côté puis là. Mm-hmm. Et font là, bah ça. Yo. Donc c'est on sait de bon, là prend on nous retourne à l'histoire. Là prend Geoffroy, tout les la chef d'état, au y a du maçon, vous nous allez rencontrer tout bah ça. Et ainsi que de Geoffroy qu'on initie. Là on prend bah Claire Tifio te sacrifié bisoto. Y a jugé dame non. Yo condamné à mort. Yo mande le juge a dit, est-ce que yo pas le tueur ou peut-être crime ou faire, etc., etc. Est-ce qu'on pas gon dernier volonté? Il dit, bon, mon temps bon dans Péristyle là,
tel tambour, tambour principal là, dans nous battre pour moi, on va mourir. Et puis elle dit, président, il m'a donc grand bagaille. Que tambour, il gagne dans le pays, il a battu. Et puis j'ai pas dit, non, surtout pas, fusiller le même là. Je dis, on peut fusiller le même là. Mais bah, Geoffroy l'a pas dit, innocent. Geoffroy t'es initié. Et puis faut président le initié. Depuis au battre bois, c'est on appelle, n'est-ce pas, à l'aide qu'on lance pour demander tout initié venir porter concours. Ah bon? Ah, donc Geoffroy t'a obligé de porter concours. Il dit non, pas battre bois. Mais il faut président initié, ça veut. Bon, c'est ça, je ne pas penser ça. Mais je suis toujours, je regarde, je connais, je grandi, je estimé, je suis venu Paul Magloire. Je n'ai pas l'impression que Paul Magloire initié. Mais c'est que loi a fait, il a chanté en bas, pompe à c'est là qu'on s'en fait. Vous comprenez? Il a lié là en bas de loi tout. Ensuite, bon, Duvalier n'en parle pas. Duvalier, c'est papa, même, ça. Et puis, bon, après Duvalier, qui s'en vient pour là, bon, on prend militaire, c'est Benjamin Aïssaro, ou il tombe à Dieu, ou bien Jean-Bertrand Aristide. C'est une nombre, tellement de qu'on a magie sur Duvalier, de bah, il m'a cap tout. Ouais, on te dit, ah bon, Aristide son père, il n'est pas dans Aïssaro, au moins, donc, mais après ça, il y a des doutes. Il y a des doutes, et ainsi de suite, au moins, pour éviter de conseiller de contact tout, ou au moins, on te doute de contact. On regarde de loin, on va y savoir. Moi, je connais que ça va mettre en pièce côté, il y a un bail rationnel, on va mettre en pays, les crises, les conséquences, les conseillers de bagages. Mais donc, dimension mystique, parce que pendant tout le temps, on a parlé là, on ne va pas écarter dimension mystique dans la révolution haïtienne. Là. Non, on ne va pas écarter du tout. Voilà. On ne pas capable d'écarter du tout. Le Dessalines passe à Kaigon Guiton. Ouais, c'est ton gros base. Ouais, mm-hmm. C'est ton gros base. Au monde, ça, il faut respecter. Il y a des traditions. Ou bien, par exemple, du côté de la Haute-Tibonite, entre le Haute-Tibonite et le Nord-Ouest, côté Mdadoula, mais dans la zone plus Nord-Ouest, Saint-Nicolas, Maouge. Ouais. Ou tu as des Deva. Hein? Tu es le Jal. Même si je me passe la caille, sous du Valier, je me passe la caille. Ma photo, je suis mort longtemps, occupation américaine. Et puis, photo, je suis dans la caille. Madame, je suis vivant, je me passe là. Elle m'a dit si nous avons n'importe quel problème, nous ne mettons pas la photo. Et puis, on a pour nous réaliser. Oui, mais c'est parce que, par exemple, pendant l'occupation américaine, je t'ai dit tambour pas battre. On tout le tambour, c'est rassemblement, révolution. Mm-hmm. Blanc vient avec ses mal en tête. Nous t'avons pas mal. Mais monsieur était contre, monsieur son on côté le gomme base. Monsieur continue à battre en boule. Et puis, blanc va voir haïtien, le voir soldat haïtien, vient raconter, ouais, mon natoune main, ouais, mon natoune. Blanc allait personnellement. Les blancs allaient, bah, ça y est. Blanc débarquait avec soldat haïtien et tout. Monsieur t'a battu en boule. Blanc arrivé, de marée bête au dehors, puis il pour y entrer. Leur entrée, M. Vino se voit blanc. Blanc, pas. Blanc, t'as vu pour. Il vient pour craser brisé. Il pas craser brisé, il vient chita. Et puis, et mon nom, Dosima. Dosima parle avec lui, Jaldo. Jaldo, on connaît. Son grand garçon dans la zone, dans la salle de guerre, il monte. Le nom général Jaldo. Et puis, l'arrivé, dans. Et puis, dans la blanc, dit blanc, on est malade, oui. On est malade, ou même qu'à mourir. Ou qu'on a douleur d'estomac. Blanc dit oui, mais il est en Haïti, mais d'après le diagnostic que j'ai, il y a une ulcère d'estomac, il a porté là. Blanc dit non, on n'est pas malade, là. Ma bonne bouteille. Oui, oui. Effectivement, blanc prend. Blanc, quand il y a blanc, vini remercier monsieur. Vous comprenez-moi? Et blanc, ça allait le retourner, la bouteille, pour l'expliquer, mon nom, mais comment, etc. Et puis, son pays, il fait campagne qu'on y a contre l'occupation blanc. Donc, on a deux cas comme ça, et mon nom, c'est naturel, il y a Boali, il y a servi. On a des charlatans, tout, il n'y a pas d'autre. Mais on va parler de cochon noir. Pourquoi ça est un cochon noir? Bon. Ça, moi, je connais que, je connais dans le Baïvaudois, cochon noir,
cochon mazarin, gon loi, c'est tel type de cochon. Ouais, là qu'on a fait bagarre, gon cochon pour telle loi, gon l'autre cochon pour l'autre bail, etc. Ensuite, ouais, ça va y avoir les syncrétisants. Depuis un petit monde, je vis là. Ouais, mon Mabdou, papa y est Mabdou là. Ouais, je suis allé, bagarre, m'a payé des mamans, maman, t'es mon bambo. Maman, papa, le père de famille s'appelait Dufontal Papayé. Alors, quand mon maman m'a dit, madame Tatal, mais son fils, comment il est, grand prêtre souvenance, et grand prêtre dans souvenance, c'est famille ça, madame Nathalie, ça peut être un grand moine, moi, de ça. C'est même famille dans souvenance. Est-ce que vous comprenez? Et le grand petit, lui, que mettez séminaire pour venir prêtre. Ah bon? Les m'a fréquenté quand la vie nous connaît, on a fait une cérémonie, on m'attendait. On dit que c'est loi qui a demandé pour Hubert, c'était le Hubert, j'étais pendant le père, venu ministre du Valais. Après ça, le tournait, là, le mourir là-bas, dans une congrégation particulièrement sévère. Ouais, c'est là, le retourner, bah, ça. Mais, on dit c'est loi qui a demandé pour lui-même, il dit ça, c'est père à pied. Loi a demandé. Donc, moi-même, enfant de cœur, m'attendait. Oh, les monsieur prêtre. Chaque fois pour ordonner monsieur prêtre, il m'a dit évêque Gonaïve là, autorisation, est-ce que famille, qui famille, ben ça, il dit non, c'est vaudorisant, refus. Et puis, il y a une année, quand il y a un grand, grand 7 ans, 8 ans, il y a un grand, m'enfant qui a commencé à me tendre toutes paroles, il a parlé. Et puis, une nouvelle année, puis il a dit, est-ce qu'il a pardonné ou pas pardonné? Et puis, moi, il a réuni tout. On sait qui sont dans souvenance, Mambo, Eko, ils font pendant toute une semaine, à battre tambour. On a visité une petite ville à l'époque, on a battu tambour, tout le monde connaît. Au bout de moi, je n'ai peut-être pas me dire, mais masque, pas de lumière, pas d'électricité, monseigneur doit passer la garde à battre tambour. Et puis, dans samedi, dans jeudi, on suspend la cérémonie, ben, ça, tout le monde rentre dans la base. Dans samedi, je regarde le soleil, on arrive là. Moi, monseigneur, laissez monseigneur pas marcher dans la machine, ça a bien. Quand je suis venu à madame, là. Elle parle, elle m'a dit, maman, tes voisins. Je dis, maman, maintenant. Je dis, oh, ça ne peut pas dire là, parce que je connais. On sait maintenant, on va battre ça. Et puis, après 30-40 minutes, monseigneur est allé. Maman me dit, allez, ouais, non. Je suis madame, non, mais moi, elle me dit, allez. Elle me dit, allez, levez-moi là. Il dit, comme ça, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir? Je dis, non, bon, il dit, ou pas, qu'on ne peut pas ouvrir. Monseigneur, faites-vous une autorisation pour ordonner UBP. Finalement, après, vous venez battre pendant toute semaine? Pas toute semaine, je vis ça. Est-ce que vous pouvez bon, phénomène sécrétisme. Oui, phénomène sécrétisme. Oh, Hubert vient de naïve. C'est ton père, bagaille, il était révolutionnaire, tout. Mais après, il vient contre Monseigneur. Et puis, quand il vient vivre comme maman. Oh, comme il connaît ma Monseigneur, et puis, monsieur voisin, chaque matin, je dis merci avec lui. Il mettait hôtel dans le salon, maman. Mal dit, mais ça avec lui. Dans la dernière chambre, tu as un rogatoire, maman. Je suis sorti dans le salon, je suis passé dans la chambre derrière, rogatoire, et puis mal à l'école. Les frères prêchent. Moi, regardez, m'attendais. Mais moi, je n'ai pas de questions pour me poser de tête. Moi-même, j'ai une position sur la question. C'est ça. Alors, dans la cérémonie, on a apporté que Boukman a dit, monsieur l'ami, tu es là, attention, bon Dieu blanc, bon, bon, bah, ça a pas de problème, et bon Dieu blanc, lui-même, c'est moins de crime, pas nous, même, c'est bien fait, le monde, et bon Dieu, nous, on est bon, et il m'a dit que j'étais image, et bon Dieu blanc, c'est une façon de galvaniser, vous savez, bon Dieu. Bon, moi, je pense que, bon, ce qu'on a fait, bon Dieu, c'est musulman. Dit qu'on a à l'al contre tout bail ça est bon moi mais bon Dieu blanc pas ca gon bon Dieu pour blanc faire toute méchanceté ça tout crime ça c'est de bonne guerre mais on a remarqué que comment mourir les victimes au moins ils tombaient loi va protéger lui après non bonne l'autre qui tombait etc. bail ça au bon moi donc moi penser que religion comme moi-même, je suis catholique. Moi, je suis catholique, je suis croyant, je prie, je suis baïsaï. D'accord. Au moins, chaque monde va y aller, je reconnais. Au moins, mais ce n'est pas une raison pour moi. Moi d'autant que, bon culture qui dégageait de vos doigts, qui va permettre que, au moins, vous singulariser de la bonne façon,
au point de vue touristique, etc., dans le domaine musical, dans le domaine de la peinture. C'est le bail, oui, ça, par exemple, l'habitation, t'es qu'à un lieu de pèlerinage, par exemple. Un lieu de pèlerinage, tout le bail, ça, on l'autre bagaille. Donc, oh, ça fait nous maintenant tout le bail, ça. Nous n'avons pas retenu la leçon, cette leçon de solidarité pour une cause, pour la bonne cause, la nation a fondé. Et la nation fondée à faire progresser, à faire avancer, etc. Alors, ouais. Atimax Beauvoir, avant de mourir, il te dit que c'est ton congrès magico-religieux. Bon, alors, moi-même, pas qu'on aime. Donc, il y a deux forces. Dans la tête, pas moi, pas fort dans la ça. Dans la tête, pas moi, je suis en contact avec Beauvoir. Alors, et même pas content de le dire ça, mais magico-religieux. Donc, depuis qu'il y a une religion, il y a une magie, tout. On est content des pecs, il y a fait messe noire. C'est magie. Donc, naturellement, son façon tout pour bailler dans l'autre dimension, etc. etc. Est-ce qu'une cap dit tout, professeur, avec cérémonie ça, nation fondée, base fondation jetée? Je dis avec congrès, je dis. Avec congrès, c'est pas politique là, moi. Ouais, Capral Bord, justement. Et un ensemble d'officiers qui émergeaient, Walouin Boukman, Toussaint, et Jean-François Biassou, etc. Et puis Toussaint qui perçait, Toussaint qui a recruté des lieutenants. On est contre Dessalines, par exemple. Dessalines, ton simple révolté. Hein? Dessalines, ton simple révolté. Mais il distinguait des autres. En cours d'un combat, il est blessé. Et puis les troupes ont été évacuées. Ils ont quitté la terre. Même si tu es un jeune homme, il est monté sous deux bouches là. Et puis il retourne jeune troupe, il bat bravo pour lui. Et puis il nomme un officier. Le Sénat qui fait preuve sur le terrain. Et qu'on s'est tous simple à le prendre. Tout le monde est tous simple à le prendre. Qu'on va rejoindre dans l'état-major tout ça. Au moins, ce sont des éléments de la base qui fait preuve, qui viennent émerger. Mais vous savez, il n'y a pas trop reconnaître Boukman. Comment tu parles de lui? Ouais, alors, voilà. C'est peut-être ça que je fais passer résolution. Boukman est au national. Et puis le 14 août, il n'a pas congé, par exemple. Oui, il était cap congé. Mais que nous avons trop. Nous avons l'autre gens. Mais qui, Mabdou, il y a des leçons à tirer de tout cela. L'un a présenté nous. Il faut nous présenter nous, Boaka. Ils m'ont dit Papa Boukman, mais nous, mais ça a été fait, mais nous, mais ça nous fait. Alors, qui n'est qu'on y a qu'à paraître là devant Boukman pour dire mais ça me fait. Hein? Bon, peut-être, bah, qu'on a nous-mêmes, au moins fait une émission là, ou invité M. Mandovine là, n'a pas parlé de ça, n'a envoyé quelques messages, peut-être des jeunes qui viennent entendre, etc., parce que, hein, il y a une leçon, parce que nous te mettons tête ensemble, hein, nous pouvons mettre tête ensemble, qui là encore? Il y aura la guerre civile, la guerre du Sud, hein, et pourtant, il y aura, n'est-ce pas? Comment il est habitation dans le sud des Salines d'Aléa. Le camp Gérard. Hein? Bon, l'autre leçon, après la guerre du Sud, il y aura le camp Gérard pour définitivement chasser les Français. Et après le camp Gérard, qui est l'autre rendez-vous de guerre? Nous gagnons le rendez-vous de l'Arcaïen, hein? La création, la leçon du drapeau. Hein? Mais trois grandes étapes de notre histoire, Bois-Caïman, camp Gérard, le drapeau, Arcaïen, mais trois grandes. Et puis maintenant, la grande, gros feu d'artifice là, 1er janvier, on arrive. Est-ce que vous comprenez? Moi, oublié 22-23 août 1791. Non, ça, c'est la révolte générale. La révolte générale. Qui va l'amener sans Bois-Caïman? C'est Bois-Caïman qui mène 21-22 août là. Est-ce que vous comprenez? La dernière, c'est gros bagaille. Et même depuis ça, l'histoire n'a pas fait marche arrière. Il y a eu des hauts, des bas, mais grâce à tout ça, avec des leaders. Aujourd'hui, un ensemble de leaders, hein? Les masses ont répondu à l'appel des leaders, parce que les leaders ont des mots d'ordre qui conforment à leurs revendications. Ils ont marché, ils ont fait l'histoire, ils ont pris le sud, ils ont pris l'ouest, ils ont pris le nord. Et puis, le grand rendez-vous de Vertière. Alors, pour qu'il n'y ait ni Vertière, ni Beauvais janvier 1804, sans ça qui est passé, 1491 ans. On nous prend toute étape, le marronnage. Flambeau à Kembe pendant toute période là. Qu'on y a, grâce au vaudou, grâce au créole, on a bien plus contact, solidarité, contre l'exploitation, etc., en faveur de la dignité humaine, tout ça, pour venir dans un grand rendez-vous, Bois-Caïman.
ça c'est un grand rendez-vous. L'unité de commandement est réalisée. Hein? On se battait par petits groupes dans chaque zone, sur une base tribale, nous-mêmes tribus. Mais qu'on y a, c'est la base même de la nation, on se met ensemble. Mm-hmm. Au niveau, n'est-ce pas, de la masse des esclaves, l'unification. On peut dire, du côté des affranchis, le même mouvement, l'émergence du pouvoir indigène noir de côté, pouvoir indigène mulat dans le sud, et puis maintenant, le grand rendez-vous, n'est-ce pas, pour la création de la nation haïtienne. Alors, Wakaïma, c'est un exemple de solidarité et d'unification maintenant. D'unification, de solidarité pour une cause commune. Première étape, la liberté. Deuxième étape, là, n'est-ce pas, l'indépendance, mettre dehors définitivement les Français. Et on a besoin des éléments créoles, vous ne pouvez pas oublier, comme élément, n'est-ce pas, d'unification. Parfait. Je dis, en réalité, à très difficile. On disparaît de tête chargée dans la société, son social déchiré. Les gens haut, les gens bas, les gens qui ne sont pas contre, ni les gens qui ont un corps, ni un corps, même si je dis à plus fort, en plus, les gens ne sont pas gagnés vraiment. Bon. Dans quel niveau nous avons utilisé l'expérience 14 ou 16 ans, 11 ans, pour nous démarrer, s'il vous plaît, monsieur, vous avez souffert, vous avez une pause, vous tourner, vous avez une réponse. D'accord. Téléspectateurs, sous TNH, mise au point, invité le matin, professeur Westin Emmanuel, pour nous retourner sur Coquenchen, événement ça, 14 août 1791, cérémonie Bois-Caïra. La proposition avec toi, la tournée. Conférence, séminaire, mariage, baptême, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Nous retournons avec le professeur Wesley Emmanuel. Question avant pose là, c'était le son capable de tirer de l'expérience 14-1791. Nous avons amorcé finalement le développement du pays. Ça, nous avons capable de puiser dans aucun chaîne d'événements qui a été fait sous l'habitation et le Normand. Pour voir qui ça nous avons capable de faire pour nous garantir un mieux-être à grande majorité à professeur Wesley Emmanuel. Bon. Moi, je dis bien que nous soulignons, si ou là, moi là, matin, 14 août, nous avons une leçon, nous pas là pour nous parler, pour parler, nous avons des bagages pour nos fruits jeunesse là, pour nous éclairer mon nom, etc. Mais cependant, on connaît, on nous passe dans le système colonial, esclavagiste, ségrégation, etc., pour un non-système, pas comme ça, du jour au lendemain, où nous pouvons changer le système. Hein, maintenant, mentalité, mon yo. On nos généraux, nos héros, nous gagnons toute gloire, nous gagnons toute gloire. Mais pas oublier, ils sont de leur temps, ils sont de leur milieu. Hein? Donc, ils ont eu comme modèle de gouvernance, le modèle colonial. Donc, ils sont venus avec la grande propriété, ils sont venus avec le travail organisé, il faut produire, export, etc. Hein? Ils ont priorisé l'indépendance, il faut que le problème va tourner, etc. Mais comment, de quelle façon? On va voir que la nation en gestation, avec Toussaint Louverture, connaît sa première crise, l'affaire Moïse. La nation en gestation, oh, qui problème là? Le problème organisation du travail là, hein? L'église était gourmée. Il était gourmée, elle était boire quand il m'a posé. Problème politique avant. Problème politique là avant. C'est pour le boudou, besoin de liberté, femme qui a un bout de jardin, hein? Il était comme une petite place à vivre. Il dit, ça, c'est pas là. Mais quand il y a un abdil pour venir travailler, même tes colons, même gens, non. Il faut changer. Il faut lui donner des avantages. Il n'y a pas conseil. Donc, là, on prend les règlements de culture de Toussaint, les règlements de culture de Dessalines, hein, ou pas loin de l'esclavage. Hein. Là, on prend les règlements maintenant avec Boyer, c'est l'esclavage sans le nom, etc., etc., etc. Donc, l'indépendance est proclamée. Donc, il y a. Ou pas, c'est la base même de cette exclusion à partir de. Ou prend un règlement qui dit
dans un citadin qui recevra un cultivateur de la caillou, ou un amant, parfois, ou basse non. Donc, son barrière mette dans la société, moun en dehors, moun moun, moun ici, etc. Même vivre. Quand on arrive, les moun ça, sous prétexte, pas gagne soulier dans la ville, pas qu'à venir dans la ville. Yo campé, yo campé non limite et puis yo voyé un monde dans marché, un monde vient acheter pour yo, monde qui gagne sandal là ou bien sapate là, etc., etc. Ou vivre exclusion, de vivre exclusion. Oh c'est exclusion ça. Qu'on y a l'homme monde ça qu'on y a, l'homme met un règlement de culture comme ça. Monde en fuit le marronnage ou pas, même en période nationale, la pas vivre dans tête monde, la déboiser tête monde là. Hein? Même nous arrivé par exemple l'élection pour Duvalier président, une petite rivière des baïonnets, you know, ouais là un jeune fort, c'est pas marchand des salons de jeune fort non, tout Saint-Émile fort, notre rivière on chaîne de fort de fortification, bah ça notre rivière baïonnets, c'est tirer chef section, vous et tirer nan monde pour dire mounio, y a besoin au demain venez en base là. Pour tout garçon descendre. C'est presque marronnage. Oui. C'est le soir, rivière est passée dans Piedmont. Il n'y a pas la journée dans Piedmont, dans une bonne. C'est dans la soirée, il n'y a pas de bain, c'est une forme de marronnage parce que la ville l'a représentée pour eux, l'oppression. La ville a un juge, la ville a un caserne, la ville a pas arrêté. Vous vous sentez étranger à la caillou? Oui, la caillou. Pour l'élection. Hein. Et puis, il dit, on descend. Et puis, là, on descend, il y a une cette section dit, nous là, nous ne pouvons pas tourner dans le monde encore. De matin, nous descendons la ville pour Gonaïve pour nous voter. Je dis, au même côté, vous êtes en train de parler de Duvalier. Ou de l'autre côté, vous êtes en train de par exemple, nous sommes dans la zone sous, volant, mais vous avez un contact avec Kouaboussal, par maire, vous avez un vent de sel, vous avez fini le président. Dans la zone, vous avez Duvalier. Et puis, vous dites, chef de section, non, mais. De quoi le président déjà? Il dit non, qu'on ne va pas le voter, on va voter Duvalier. C'est là que tu as fait élection pour avoir de Duvalier. Oui, mais comment Duvalier? Il fait au dessin de voter. Mais c'est l'exclusion, et puis ça, on a retourné dans mon nez, bah, ça, oh. Au moins. Mais il continue de traîner, bah, ça, jusqu'à nous dire, là. Bah, alors, côté le même plus dangereux, où j'ai des éléments de la, de monde, ça, oh. Puisque l'agriculture vient abandonner. Nous, pas pour. Nous, les gens n'ont produit, la production n'a pas profité de rien. Oui, si nous faisons une émission pour nous vivre, par exemple, café. Hein? On a côté fait à Londres, il y a un office international du café qui est à Londres. Il y a une production, chaque pays, sinon, le Brésil a café, il y a chaque monde un quota. Il y a un sac. À partir de ce sac, il met un saut sur lui. Donc, c'est pour mettre quota là. Voici que nous n'avons pas gagné quantité de café, la production a baissé. Oui, sa production a baissé. Parce que les paysans l'ont venu. Tellement intermédiaires, ils prennent un café en amène, etc. Ils ne sont pas dans un bon café. Ils rachètent le café, ils plantent l'autre bagaille. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons des sacs disponibles. Sacs qui ont marqué Haïti. Or, nous avons un paquet de sacs qui ont marqué un café pour eux. L'autant des Somoza qui viennent en Haïti sous du Valais. Somoza qui accompagne une série de monde au Nicaragua qui était dans le commerce café. Je viens demander, moi, je ne sais pas si je vis, je parle avec moi. J'ai besoin de contact avec le gouverneur de la banque de l'époque qui était des cailles. Et je viens côté dans l'école Gérard de Lem, dans l'école là. Je viens demander, je connais Gérard de Lem, c'est mon cas. J'ai besoin d'un lien, un rapport avec le gouverneur. Puis pour faire quoi? Je dis, c'est le gouverneur pour vendre un sac vidéo. Sac n'ont pas utilisé. Il n'y a pas acheté dans le menu. Mais je vends un sac. Qui a fait Albert là-dedans? Café nicaraguayen. Alors que ça t'a marqué, café d'Haïti, chaîne de K.O. ou bien ou bien comme ça. Est-ce qu'on peut dire, nous craser production, nous craser fig banane, nous craser tout le monde vivre tout le bail ça. Comment fig banane craser politiciens mêlés de la partie. Or, ce sont des politiciens venus de l'arrière au pays, ou au moins, qui a parlé au nom de la majorité. Il y a pas venu de l'arrière au pays, a parlé au nom de la majorité. Et puis, mais comment faire yo? Comment la production, nous n'avons pas de production encore. Nous avons une production. Mais je me rappelle par exemple, nous avons travaillé dans la compagnie électrique. Je me suis fait retour, filo, je ne suis pas passé dans la faculté de médecine. Je suis un petit job.
non, Blanté bien la même chose, bien que mal font syndicat, au bout de moi qui mettait problème à monsieur. Et puis monsieur, permettez-moi, monsieur, tellement de même, il dit, ma son bon document, monsieur, mais votre là, vous voulez. Ben, moi, les documents liant l'État haïtien avec la compagnie d'éclairage électrique. On s'est documenté, dit, et contrat dit, depuis compagnie en déficit, c'est pour l'État renfloué. En compagnie, toujours en déficit. Donc l'État haïtien toujours doué compagnie. Donc comme nous-mêmes, nous avons un syndicat, jeune avec maintenant syndicat, qui ont même été dans la comptabilité, moi-même dans l'usine. Moi, je dis, est-ce que les compagnies ont des. Ils disent, nous avons deux comptabilités. Une comptabilité pour l'État haïtien, une comptabilité pour les actionnaires. Ils ont une copie de actionnaires. Que mal, Frédéric Desvargues, qui était ministre du Travail, mais comment ils ont venu renverser, ils ont menacé. Duvalier était menacé, et Chouzbeyri Blanc, que l'après l'aile devant le tribunal international. Alors, c'est pour montrer, on sait de erreurs qu'on s'est fait. Nous rentrons dans. Il a assassiné l'empereur. Nous entrons dans la lutte de pouvoir, tout le monde a besoin de chef, tout le monde a besoin de chef, c'est seule vision nous gagne. Jusqu'à Jinfa, c'est lutte au moins, etc., nord, sud, etc. Au moins, à partir de Jinfa, maintenant, on n'a pas fait l'étranger entrer. Jinfa a parlé les Anglais, ça n'a pas parlé les Américains, et quand j'ai entré dans l'affaire, où on y a assez mille filles. Et il veut qu'on ne m'a pour organiser le pays. Nous pas, moi, jusqu'à l'occupation américaine, nous n'avons pas organisé le pays. Au point que. Parlement qui a accepté la convention, la République dominicaine n'a pas accepté la convention pour accepter l'occupation, nous-mêmes, le Parlement n'a pas accepté, excepté le député des Gonaïves, qui était, voyez quoi, Kadil, qui était à ça. Nous accepté, mais nous avons fait un raisonnement et dit, monsieur, nous indépendants depuis 1804, blancs venus, nous n'avons pas fait rien, on nous vote la convention pour nous laisser blancs organiser, payer pour nous. Blancs aller, nous venons mettre l'ESCO, lui mettait Vincent, lui mettait Lesco, et puis même pas y reprendre, on lutte de pouvoir, coup d'État, etc. pour arriver contre hier. Donc, la leçon à tirer, il y a un intérêt fondamental à défendre, le pays, l'intérêt d'Haïti, et pour la défense de cet intérêt, qu'on y a dans ça, nous y est là, dans le contexte international là, hein, nous n'avons pas d'exportation du tout. Nous avons importé, importé du riz, n'importe tout cas de bagaille, au moins. Donc, si nous ne nous pas mettre tête nous, ensemble, pour nous dire voici une vision pour Haïti, pour 25, etc., etc., et non pas on lutte pour un tel au pouvoir, nous au pouvoir, etc., donc, côté n'a plus. Alors, l'esprit est animé, les ancêtres, nous n'avons pas qu'à passer d'accord. Mais il faut se référer, n'est-ce pas, à cette solidarité dans. Avec intelligence, courage, hein, il n'y a pas de sacrifier tête. Ceux qui ont fait, moi-même, comme pour un plaisir, les m'a marché dans le cimetière Gonaïve. Après, tombe, je te mette marbre, je viens voir les marbres, je ne vois pas encore. Un tel colonel, un tel général, mort à 38 ans, mort à 4. C'était des jeunes qui se sont sacrifiés. Les malmols syndicaux là, ils ont pris tout, on peut pas deux euros. Qui était enterré au Mont Saint-Nicolas, etc. Mais c'était tous des jeunes. Ils se sont sacrifiés, n'est-ce pas, pour le pays, pour nous, au pays. Nous faisons des bagages exceptionnels. Et puis, qu'on y a. Hein? La plupart d'entre eux, pas qu'on lit. Hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Et puis, nous-mêmes, nous avons un docteur, nous avons un maître, nous avons une maîtrise, nous avons tout cas des bagages. Hein? Côté de nous. Nous prenons le temps, l'heure, pour nous dire voici pour Haïti ce qu'on veut. N'a pas mobilisé pour Haïti. Parce que là, nous avons perdu, j'aime d'après hier, le sens du bien commun. Le sens du bien commun. Ouais, nous, loin, loin de là. Ouais, toute bataille qu'a mené un gros nec sous-côté, c'est le pouvoir lui revient. Ou bien un petit groupe, le pouvoir, etc. Non. C'est ce qu'on appelle. Il y a un risque à prendre. Le risque historique est à prendre. En 1804, c'était indépendance ou la mort. Oui. Si on n'est pas indépendant, qu'on a fait pour un risque, pour nous dire, on a une bataille pour Haïti, pour la dignité d'Haïti, pour nous paraître, pour demain nous paraître Vertière, pour nous paraître Gonaïve le 1er janvier, pour nous dire, mais à qui ça nous vient? Ce n'est pas venu pour nous parler du passé, mais oui, ils ont fait leur devoir. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire.
Mais après, Bagua Caïman, Kangéra, Congrès de la Carrière, bon professeur d'histoire, son jeune bon gros rassemblement qui mettait Haïti ensemble, son seul table encore, après trois gros événements ça. Mais où est l'occupation américaine? Nous venons pour l'occupation américaine. Niveau a été bas en pile. Je vais regarder, moi-même, je suis Timoun. Je suis niveau haïtien. Je n'ai pas de l'école tellement dans les campagnes, tout le bas. Je prends paysan. Niveau a été bas. Nous faisons gros progrès. Il y a plus de monde qui a plus de monde qui a avancé, il y a plus de monde qui est dans la diaspora. Donc, nous gagnons en masse d'intelligence, de capacité, si nous utilisons à bon escient. Si nous mettons de côté cet individualisme destructeur qui a fini avec nous, hein, si nous mettons ça de côté pour nous pays, pour nous collectivité, comme ceux qui étaient, n'est-ce pas, au Bois Caïman, qui étaient à Kangéra, ou bien encore à l'Arcaïe, eh bien, nous n'avons qu'à espérer d'un nouveau miracle. Le nouveau miracle est possible. Le nouveau miracle est possible. Bon, tu as bien content parce que même vous avons allé, monsieur Manuel, de la comme ancien sénateur, ancien directeur de l'école, professeur d'histoire, qui marquait en pile génération. Vous pensez que vous avez un peu de temps, c'est un peu de pays. Chaque fois, moi, on, par exemple, l'aime garder, il y a dit, et professeur, comment. Ça te fait mourir, oui. Monsieur Petit Frère. Petit Frère. Hein? Comme si tu as parlé de pays. Okay. Et puis, même, chaque fois, moi, on ouais, deux générations, pas aller. Je dis comment, même si allé, nous pas de changement. Je me souviens de M. Centre d'études secondaires, Pierrot Richer, au moins Jean-Claude, Pradel Pompilius. Je dis que ça plus âgé passé moi. Je ne suis pas allé, je ne pas. Je dis comment, hein? À la longue. Les gens qui pour former des jeunes, pour bagailler, pour nous là. Ce n'est pas comme nous. Nous pas de compter. Au moins, on travaille dans une classe qui a 15-20 élèves dans le centre d'études. Pas de comme. Mais c'est un sacrifice qu'on fait avec espoir que on pourra former une équipe qui a venu. Hein? Et puis, regarder, moi-même, quantité de monde, je suis licencié élève. Centre d'études? Non. Oui, centre d'études. Jovenel de Canada. Jovenel de Fouan de Canada, etc. Et qui est encore une. Donc, on demandait, mon Dieu, laisse-moi poser tête aux questions. Ou même comme professeur. C'est un chèque ou tout. C'est un chèque, oui, ou pas qu'à dire, au moins, dans tout le qui passe, ou pas qu'à dire que. Et comme elle est encore à l'Académie française. Pas Dany? Hein? La Ferrière, c'est élève. Gary Victor, c'est élève. Vous avez une satisfaction ça. Léo, vous êtes content avec moi. Mais. Forme plus génération. Hein? Forme plus génération. Ouais, pas blague, non? Qui est-ce que satisfaction est mal fini? Hein? Qui est-ce que satisfaction est? Bon, pas de satisfaction. Comme ancien sénateur. Pas de satisfaction parce que je songe les mandats finis. Et puis, il y a des gens qui ont un anti-personnel là. Il y a des gens qui ont une façon de fonctionner. Il y a des gens qui ont créé ça. Et puis, je me dis, moi, je n'ai pas aucun regret pour me quitter là. Et je demande à mon Dieu pour ne pas jamais tourner là. Parce que, quelle que soit bonne volonté hein, ou même seul, au moins, on sait les oiseaux pas qu'à faire le printemps. Au moins, on a une bonne volonté. Je pense que un sénateur qui a dit pas occupé Mando, non. Il y a Jacob, il fait coup dans toute l'école de la République. Là. Il y a Jacob, il n'y a pas besoin de Jacob. Dit monsieur, mais non, pas de moyen. Donc, là, ça, on a perdu dans le domaine ça. On a perdu dans l'autre domaine. Par exemple, l'or était, par exemple,
Sou pare de m la pou m paret nan televizyon, ba, ba nek kapal pou an seri de bagay, ba y sa yo, m plis observateur, ba y kon sa. Men sa pa empêche moun atake m. Y a pa tako, men m pa konen, eske son ba yo konen, ba, y a tako parce ke yo pa ta reme, yo goun ba y nan tèt yo, pafwa yo goun kandida nan poche. Ou vot bre, epi moun nan nou, ah, moun kwe pare de met moun nou, epi yo fwape met moun nou, Yo fait dire les meurs du mieux par ton clip mon vidéo sur Facebook côté à parler l'état puis ah bah ça yo c'est photo mieux mais photo ça bonjour non comme parmi les pillageurs bah ça alors et pour me dire que pays difficile en plus pays pas facile pays pas facile vous avez rencontré ancien président Winnie Pouval de regretter mais moi après très longtemps hein. Et puis, madame dit, bon, président, vous n'avez plein rien par rapport à la gestion de fait de terrement de terre. Il dit, ah, monsieur, pas qu'à tout plus, mais son pays est très difficile. Ouais, mais. Son pays est très, très difficile. M'te bon préval tout. Mais c'était une pile faiblesse. Mm-hmm. Ouais, par rapport à certains éléments de la société qui étaient bailleurs. Et puis, monsieur, pas. Monsieur, pas dire, j'irai bailler là-bas du tout. Mais il va bien gérer Haïti après le tremblement de terre là, mettre nous dans tout ça, blanc débarqué, blanc retourne à Cobli. Là, il va réagir trop tard. Il va réagir trop tard. C'est quoi la théorie de frapper même sous table là? Ouais, laisse ça, il n'y a pas beaucoup de tout. Au moins, il connaît que c'est bruit sa patte. Bruit sa patte. Donc. Mais nous, on est bien difficile. Et nous, quand nous vivons. Nous-mêmes qui rendons difficile. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous ne sommes pas une volonté pour changer. Non, moi-même, je pensais que je songeais que j'ai arrêté de faire monter. Parce que c'était pour ton image d'ancien père sérieux, bagage, ouais. Ça, tout le monde prend même. Pendant les 6 ou 7 premiers mois, tout le monde est promis au niveau de l'administration. Mais après, ouais, c'est feu de paille, pas de grand rien sérieux. Et puis, bah, il a commencé des plus belles, bah, ça. Donc, mais quand même, moi pense que faut ne pas désespérer. Ouais. On paye pas jamais mourir, non. Quoi ça? On paye pas jamais mourir. On paye pas jamais mourir. Moi pense que nous besoin plus monde de bonne volonté, de caractère, ouais, qui croit dans pays là et qui doit engager. Il y a des initiatives, n'est-ce pas, nous te doit prendre. Nous te doit prendre indépendamment des activités politiques. Soit de la initiative de la part de la société civile ou bien d'autres en professeur n'importe quoi fait des groupes pour orienter les jeunes vers certaines activités qui peut-être qui viennent rentables même pour eux. Mm-hmm. Et c'est bon moi je pense que qu'un bail qui a fait pour au moins nous jouons l'autre orientation et puis nous bail jeunesse là n'est-ce pas d'autres éléments d'espoir et d'espérance et tout pour le bail pour eux. Ouais, c'est le drame, c'est le drame, c'est l'individualisme, etc. Au moins, c'est le drame. On n'est pas obligé, si c'est maintenant une bataille, c'est moi qui couvre. Non, non, bataille, après, si nous pas. Hein, si monsieur 1804, Vertière, par exemple, c'est bon, on veut Vertière mourir. Il n'y a pas qu'à Vertière, vu dire, bon, Rochambeau lui-même, c'est souple, il boire. Sous table, les premiers boulettes viennent tomber sous table. Romain avec Christophe. Obéissant à un ordre de Dessalines, il occupe un fort qui est en dehors de dispositifs défensifs de zone vertière, là, du Cap. Il occupe de fort étant, et puis il bombarde le Cap. C'est là pour être conscient. Parce qu'il connaissait mourir, il y a vu de mourir là, d'après moi, il passe. Et son point de moi, il fait sacrifice ça. Il fait sacrifice ça. Au point de moi, liberté, indépendance ou la mort, nous triompher. Mais il faut nous rester temps pour nous arriver à notre niveau côté. Il faut nous camper. Il faut nous camper pour nous dire non, il va caler. Il va caler. Et quand on a qui fait mal, vous songez, rapidement nous passer sur ça. L'affaire des 300 Suisses. Mm-hmm. Ce sont des esclaves. Il y a mieux là-dedans, mais quand même, en grande majorité, c'était des esclaves noirs. Ils ont eu victoire, ils ont massacré. Ouais? Oh, ça va marquer l'histoire, nous, quand on a joué, le peuple s'est mobilisé. Hein? Oh, moi-même, je suis venu. Je habite Bel Air, les filles sont tombées. Il y a massacre. Pour que ça reproche, ils étaient finolistes. Hein?
quand on était massacré au Salna, à la chute de son peuple qui est en quête de justice, de changement de son sort. C'est sa peuple. Et puis son peuple très sentimental. Très sentimental, bah, ça. Est-ce qu'on voit moi au bail comme ça? Donc, moi-même, moi connais que je fais un petit passage, je suis dans la compagnie électrique, je suis dans le syndicat. Nous signons le premier contrat de travail avec un patron, c'est nous, le premier modèle de contrat de travail nous avons signé. Moi, nous avons gagné l'autre bail syndicat. Ensuite, nous dénonçons le contrat de Frédéric Desvarieux, qui est ministre du Travail. Mais comment tu vas aller prendre l'usine électrique là, au moment où il est venu nationaliser, le contrat était fini. Nous avons dénoncé une série de bagailles. Et pourtant, nous voyons que, au moment où nous venons entrer dans un système de privatisation, au moment où, alors que le privé gère au mieux, nous fermons, ça nous est privé, privatisé, nous fermons, nous avons commandé ciment, son crime, hein? Son crime de lèse patrie, nous avons commandé ciment, nous avons fait farine, madame, nous avons travaillé dans l'usine, nous avons fait farine. On nous fait même n'a pas commandé une série de barrages comme ça. Hein? Il est temps que ça cesse, que nous défendons l'intérêt pays. Professeur Emmanuel, ancien directeur de l'école, ancien sénateur de la République, et, qui est avec nous, professeur d'histoire, qui marque en pile, vraiment en pile génération. C'est un plaisir pour nous de faire un programme ça, émission ça, mise au point, dans l'occasion 228 l'année, cérémonie 14 août 1791. Tout avec nous en direct, nous vous souhaitons bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.